Bonjour, je m'appelle Sandrine Fromageau, je suis chef d'établissement de l'école Jeanne d'Arc à Rérieux. C'est une école catholique sous contrat avec l'État et sous tutelle diocésaine. Cette année, nous avons 95 élèves répartis en 4 classes. Une classe maternelle, tout petit, petit, moyen, que j'assure. Une classe grande section CE1, une classe CP et une classe CE2, CM1, CM2. Je suis en charge de la direction pour ma 5e rentrée. Mais je suis dans cette école depuis 1993. C'est une toute petite école familiale où les parents sont très investis dans l'école. Je suis en charge de la classe de maternelle. Actuellement, cette année, j'ai 27 élèves. Nous travaillons beaucoup sur la manipulation, l'expérimentation. Donc tous les matins, dans chaque classe, nous réalisons la brain gym, c'est-à-dire la gym du cerveau, afin que les enfants soient prêts pour les apprentissages et prêts pour vivre tous ensemble. Nous travaillons aussi beaucoup en maternelle sur les besoins de l'enfant, c'est-à-dire que nous les préparons à prendre conscience que l'être humain a 5 besoins fondamentaux, le besoin d'appartenance, le besoin de sécurité, le besoin de liberté, le besoin de plaisir et le besoin de pouvoir, de se sentir fier de ses apprentissages. Les enseignants sont très disponibles. Nous rencontrons les familles 2 fois dans l'année pour les rendez-vous portfolio. Pendant une demi-heure, nous parlons de l'enfant avec les parents et cela permet vraiment de faire une co-évaluation école-famille. Bonjour, bienvenue dans la classe du cycle 2 et du cycle 3. Alors je me présente, je m'appelle Monsieur Laureau Fabrice, enseignant à l'école Jeanne d'Arc depuis 10 ans maintenant. Je suis en charge de la classe des CE2, CM1, CM2, donc c'est une classe à double cycle et à triple niveau. Par rapport à ce constat, du coup, moi je fais mon organisation de classe en groupe. Je fais 5 groupes de 6, j'ai 30 élèves cette année. Au sein de chaque groupe, je mélange les élèves, donc il y a des CE2, des CM1, des CM2. Ce sont souvent des groupes de besoins, donc il y a des apprentissages qui sont faits en groupe, c'est un peu la spécificité de la classe. Une classe aussi où les enfants avancent à leur rythme, s'entraident beaucoup, peuvent s'entraider beaucoup aussi. On fait en sorte aussi de les responsabiliser beaucoup en vue de leur passage au collège. Toujours pareil, dans un cadre qu'on espère bienveillant, donc juste mais aussi ferme. On s'aperçoit que les enfants rentrent bien dans ce système. C'est une classe aussi donc à plusieurs niveaux, c'est la spécificité de notre école. Par rapport à ça, du coup, on organise chaque année des projets interclasses, où chaque enfant est acteur. Du coup, à travers un spectacle qu'on met en place chaque année, où les élèves du CP au CM2 se réunissent pour justement monter un spectacle où ils vont être acteurs. Bonjour, je m'appelle Marjolaine Thérèse, je suis aide maternelle depuis 4 ans. Je suis là pour aider les enfants s'ils ont besoin d'aide dans les activités, les accompagner aux toilettes. Je suis là pour aider la maîtresse. J'aide aussi pendant le repas, je fais la garderie le matin, la garderie le soir. Je fais un petit peu selon comme la maîtresse a besoin de moi. Bonjour, je m'appelle Marie-France Rosier. Je suis à l'école Jeanne d'Arc déjà depuis de longues années, 29 ans que je suis ici. On maintient dans cette école une ambiance familiale. Notre souhait et notre souci, c'est de maintenir une cohérence éducative déjà entre les collègues et d'être très proche des parents, des familles qu'on reçoit 2 fois par an pour discuter et parler de leur enfant. Nos petits élèves se sentent bien ici. On les accueille le matin dans les classes de façon, en faisant un petit moment jeu, en discutant avec eux. Et puis ensuite, on se met aux activités plus habituel. Moi j'ai la classe de CP, donc bien sûr qu'on va faire tout le programme de CP en ayant une méthode de lecture syllabique, en utilisant beaucoup de matériel de maths pour apprendre les maths en CP. On parle beaucoup du vivre ensemble, du respect des autres et on essaye de le vivre complètement dans tous les espaces de l'école.
Nos élèves se sentent bien, je pense, et ils sont heureux de venir à l'école. Et moi, nous aussi, adultes, moi aussi adulte, je suis heureuse de venir à l'école et de retrouver mes élèves. Bonjour, je m'appelle Juliette Gache. Je suis enseignante en classe de grande section CE1. Alors l'avantage d'avoir une classe double niveau, c'est que ça permet d'instaurer le tutorat entre les élèves, et ce qui permet de responsabiliser les plus grands en accompagnant les plus jeunes dans des tâches de la vie quotidienne, l'habillement, la mise en rang, etc. Donc ça valorise les enfants, et les plus jeunes savent qu'à leur tour, ils deviendront tuteurs par la suite. Bonjour, je suis Barbara. Je travaille actuellement comme AESH. J'accompagne des enfants en situation de handicap. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans cette école. Et peut-être l'année prochaine, je serai à SEM pour aider la maîtresse avec les maternelles.